prier que le feu de Dieu puisse consumer et calciner toute cache des couvents de la sorcellerie. Parce que les couvents de la sorcellerie, ils utilisent des caches. C'est dans les caches là qu'on t'emprisonne. C'est dans les caches là qu'on garde ton cerveau. Et lorsque tu réfléchis, toutes tes pensées sont les pensées sans sagesse, sans intelligence. Je vais vous prendre un exemple de quelqu'un qui avait l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, mais parce qu'on a mis son intelligence dans une cage, il n'a pas pu se sauver. Regardez Samson. Tous les jours, Samson va vers Delilah. Delilah dit à Samson, moi je veux te tuer. Ça n'empêche pas Samson de revenir le lendemain. Delilah lui dit, je veux te tuer. Ça n'empêche pas Samson de revenir le jour qui suit. Samson savait que Delilah voulait le tuer. Samson savait que Delilah voulait le secret pour le finir. Mais parce que le cerveau de Samson était dans une cage, il ne pouvait plus raisonner. C'est pour ça que dans cette vie, vous allez voir des gens, ils voient le feu, mais ils partent entrer dans le feu. Je me dis que mais, l'homme est bête, mais la femme elle est bête. Comment elle voit ça, elle continue à aller. Son cerveau est dans une cage. Elle ne raisonne plus. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu les dis, là-bas, là, c'est mauvais, ne mets pas tes mains là-bas. La personne continue à mettre les mains. C'est pour ça que tu vas prier que le feu de Dieu consume toute cage des couvents dans ta vie au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur, oh Seigneur, que ton feu consume. Toute cage. Des rassemblements de la sorcellerie. Contre ma vie. Contre ma vie. Au nom de Jésus. Relâche le feu sur ces cages. Relâche le feu sur ces cages. Les cages des rassemblements de la sorcellerie. Les cages de la Ils ont des coffres forts.
Ils ont des magasins. Ils ont des banques. Qu'est-ce qu'ils gardent dans les banques? Ils gardent tes finances. Mais... Ils ont des coffres forts. Qu'est-ce qu'ils gardent dans leur coffre fort? Ta destinée, ton étoile, ta gloire. Ils ont des magasins. Qu'est-ce qu'ils gardent dans leurs magasins? Ton héritage en Christ. C'est pour ça que tu vas prier maintenant. Que le feu de Dieu détruise leurs banques. Qui ont retenu tes finances. Tu vas demander au feu de Dieu de détruire le coffre fort dans lequel ta destinée, ton étoile, ta gloire ont été fermées. Et puis tu vas demander à Dieu de détruire le magasin où ils ont fermé ton mariage, où ils ont fermé ton travail, où ils ont fermé ton ministère, où ils ont fermé tes enfants, où ils ont fermé ton intelligence. Où ils ont fermé tous les domaines de ta vie. Où ils ont fermé ta santé, c'est dans les magasins là-bas. Trois choses à détruire dans les couvents de la sorcellerie. Tu détruis les banques pour relâcher, pour récupérer tes finances. Tu détruis le coffre-fort pour récupérer ta destinée, ton étoile et ta gloire. Et tu détruis les magasins pour récupérer tout ton héritage en Christ. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Que ton feu descende! Que ton feu descende! Et libère tous mes finances! Et libère tous mes finances! Des banques! Des provinces de la sorcellerie. Que ça libère tous nos clients de banque, les pouvons de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu libère votre gloire. Que le feu de Dieu libère libère ta destinée. Libère ma destinée. Libère ton étoile. Libère-moi, toi. Des coffres forts. Des coffres de forts. Et que le feu de Dieu libère ton héritage. Et que le feu de Dieu libère mon héritage. De tous les magasins de couvent de la sorcellerie. De tous les magasins. De tous les magasins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je suis dans ma tête.
Ce prochain sujet de prière, tu vas prier ça avec la violence. Parce que tu vas commander ton corps, ton âme et ton esprit de bondir hors de ces couvents. Tu vas commander à ton corps, ton âme et ton esprit de sortir, de bondir hors de ce couvent de la sorcellerie. Parce que pendant que toi tu es dans ta maison, ton esprit est là-bas dans le couvent, dans le calebasse. Pendant que toi tu es en train de dormir, quand ils viennent peut-être faire les rapports sexuels avec toi, ils ne viennent pas dans
chambre pour faire les rapports sexuels avec toi. Ils restent dans l'autre vent. Ils apaisent ton esprit. Ton esprit sort de ton corps. Ton esprit sort de ton corps. Ça voyage. Ça vient entrer dans le couvent. Et c'est là-bas qu'il t'abuse sexuellement. Ce que tu expérimentes la nuit, là, ce n'est pas dans ta chambre. Tu penses que tu es dans ta chambre. Non, c'est ton corps qui est dans ta chambre. Ce qui se passe n'est pas dans ta chambre. Ça se passe au milieu de leur couvent. Ils appellent ton âme. Ils appellent ton esprit. Ils appellent ton corps. De venir. Où se trouve. C'est là-bas qu'ils t'abusent. C'est là-bas qu'ils te fissent. C'est là-bas qu'ils te donnent à manger. C'est là-bas qu'ils programment l'échec dans ta vie. C'est pour ça que ce sujet de prière, tu vas prier ça avec la rage. Tu vas commander à ton corps, à ton esprit et à ton âme de bondir hors de ce couvent de la sorcellerie. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Non, tu vas demander à ton corps, à ton esprit et à ton âme de sortir de tous les couvents de la sorcellerie. Parce que ton corps, ton âme et ton esprit est dans ces couvents-là. Satan ne peut pas venir te faire du mal dans ton territoire. Donc il appelle toujours ton corps, il appelle ton esprit, il appelle ton âme dans son territoire. Et c'est dans son territoire qu'il te fait du mal. Et toi maintenant, tu vois la manifestation de ça dans ta chambre. Mais ce n'est pas dans ta chambre qu'il est venu. Non. Il a appelé ton esprit dans son territoire, il a travaillé sur ton corps, il a travaillé sur ton esprit, et après il a renvoyé ton corps dans ta chambre. C'est pour ça que tu vas dire, dis mon corps. Mon esprit, mon âme, je vous commande, sortez de tous les couvents de la sorcellerie au nom de Jésus. Je suis en train de me faire un peu de temps.
Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Père, toute personne qui écoute le son de ma voix, qui a encore son esprit, qui a encore son âme ou son corps, dans les confins de la société. Je commande ton esprit où il se trouve. Je commande à ton âme où est-ce que ça se trouve. Je commande à ton corps où ça se trouve dans ce combat. De sortir au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Toutes les mains diaboliques qui sont sur vous, dans ce couvent, l'épée de Dieu, découpe ses mains au nom de Jésus. Alléluia. Ça lâche ton esprit. Amen. Ça libère ton âme. Amen. Ça libère ton corps. Amen. Et tu sors de ce couvent. Tu sors au nom de Jésus. Amen. Tu sors au nom de Jésus. Amen. Tu sors au nom de Jésus. Amen. Ton corps sort. Ton âme sort. Amen. Ton esprit sort. Amen. Au nom de Jésus. Ça quitte de l'âme. 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 Je déchaîne. Je déchaîne ton esprit. Je déchaîne ton âme. Je déchaîne ton corps. Dans les couvents. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Amen. Maintenant, tu vas faire cette prière. Dis tout domaine de ma vie. 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 Qui a été emprisonné dans le couvent de la sorcellerie. Qui a été emprisonné dans le couvent de la sorcellerie. Soyez relâchés par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à tous les domaines de ta vie qui sont emprisonnés dans les couvents de la sorcellerie. D'être libérés par le feu au nom de Jésus. Libère, libère les domaines de ta vie. Libère, 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 libère
Ce soir, pour la vie de tous tes enfants. Père, je décrète et je déclare, quel que soit le domaine de leur vie, qui était encore emprisonné, qui était encore barricadé, qui était encore séquestré, dans le couvent de la sorcellerie, que ces domaines de leur vie, maintenant par la puissance de Dieu, s'est relâché au nom de Jésus. Amen. Le feu de Dieu relâche. Amen. Le feu de Dieu relâche. Amen. Le feu de Dieu relâche. Le feu de Dieu relâche. Ça 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 relâche, maintenant ça relâche. Ça relâche tout domaine de ta vie. Tu es entré dans le couvent de la sorcellerie, de la maison de tes pères, de la maison de tes mères. Le feu de Dieu te relâche. 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 Le feu de la sorcellerie. De ton quartier, de la ville où tu habites, la nation où tu habites, le feu de Dieu te relâche, ça 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 te relâche, le feu de Dieu, pendant que ça tombe sur ton corps, pendant que le feu de Dieu tombe sur ton corps, dans le couvent, ça te relâche. Pendant que le feu de Dieu tombe dans ton corps, ça te relâche dans le couvent. Ça te déconnecte 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 dans le couvent. Au nom de Rebo sakapa ya kante de bosha.
Ricoura Kanerebo Shakaria Kanerebo Sal. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci d'avoir libéré ton peuple. Amen. Amen. Merci d'avoir fait sortir leur corps, leur âme, leur esprit. Amen. De ces couvents de la sorcellerie. Amen. Merci d'avoir fait sortir leur héritage des magasins de ces couvents. Merci d'avoir fait sortir leur étoile. Amen. Leur destinée. Leur voix de tous les confort des couvents de la sorcellerie. Merci d'avoir fait sortir leurs finances de toutes les banques de la sorcellerie. Merci Seigneur. Nous scellons tout ce que tu as fait ce soir par le sang de l'agneau. Nous sécurisons tout ce qui a été récupéré par le sang de l'agneau. Et nous décrétons et nous déclarons. Amen. Toute personnalité démoniaque qui va encore tenter à partir des couvents de la sorcellerie de venir ta terre, que le jugement de Dieu va le répondre par le feu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le sang de Jésus qui est sur ta vie, que ce sang de Jésus réponde à tous ceux qui vont vouloir t'accuser. Amen. Dans les cours des couvents de la sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus réponde à toute sorcellerie du couvent qui va vouloir prononcer ton nom ou qui va vouloir t'invoquer la nuit au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus efface toutes les traces de ta vie. Amen. Toutes les traces de ta destinée. Toutes les traces de ton héritage dans ce couvent de la sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tu sois inconnu dans le cercle, dans le rassemblement de la sorcellerie. Que tu sois inconnu au nom de Jésus. Amen. Que toute information qu'ils avaient sur ta vie, dans leur cerveau, que ce soit transformé en une migraine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait. Élève la voix et dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie ce soir. Amen. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie ce soir. Amen. Avant que je clôture, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Ouvre ta Bible dans le livre de Hébreux chapitre 10. Et je voudrais que quelqu'un qui a la page puisse lire Hébreux chapitre 10. Nous allons lire du verset 34 au verset 36.
finis au nom de Jésus. Amen. Amen. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. 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 Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la durée de ta situation, Dieu te dit ce soir, n'abandonne jamais. Amen. Amen. N'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Ta rémunération est attachée à ton assurance. Lorsque tu abandonnes l'assurance, lorsque tu n'as plus l'assurance en Dieu, tu perds ta rémunération. Et deuxièmement, Dieu dit, car vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça veut dire que quoi? Dieu nous a déjà donné tout ce qu'on a besoin, mais on n'a pas encore obtenu. Parce qu'il y a un prix à payer pour obtenir ce que Dieu nous a donné. Je peux prendre un très bon exemple. Dieu dit à Moïse et au peuple d'Israël, je vous donne Canaan comme terre, comme héritage, la terre où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Amen. Mais Amen. Est-ce qu'il avait obtenu Canaan? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir Canaan? Ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre, oui. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Moïse, au peuple, je vous donne Canaan. Mais pour obtenir Canaan, il a failli qu'ils aillent combattre. Si tu es en Christ, comme Dieu nous a dit ce matin, tu as déjà ton héritage. Amen. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin ici sur terre. Quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit le domaine financier, domaine professionnel, marital, spirituel, tu as déjà tout ce que tu as besoin. Mais maintenant, il faut faire quoi? Il faut obtenir. Il faut combattre pour obtenir. La terre promise t'a déjà été donnée. Il faut faire la guerre pour la posséder. Amen. Donc, n'abandonne pas l'assurance que tu as en Dieu, l'assurance que tu as en les promesses de Dieu. Oui, amen. Et la Bible dit, quand tu auras accompli la volonté de Dieu, tu vas obtenir ce que Dieu a promis. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu deviennes un combattant et une combattante. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu deviens un guerrier et une guerrière. Parce que son nom, c'est l'Éternel des armées. Amen. Et si son nom, c'est l'Éternel des armées, ça veut dire que ses enfants sont des soldats et non des civils. Amen. Spirituellement, tu n'es pas un civil. Tu es un soldat spirituel parce que ton Père, ton Créateur, est l'Éternel des armées. Amen. Celui qui dirige l'armée. Papa chic. Amen. Donc reste dans le combat. Combat jusqu'à ce que tu obtiennes ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Comme bien-aimé,
Je vais prier pour vous. Seigneur, je te recommande ton peuple ce soir. Amen. Que l'esprit du guerrier, l'esprit de la guerrière, les anime. Leur donne la force de ne pas abandonner l'assurance à laquelle est attachée leur rémunération. Que cet esprit du guerrier et de la guerrière leur donne la capacité, comme Moïse et le peuple ont pu posséder Canaan, que ça leur donne la grâce de posséder leur Canaan. Amen. Et de vivre leur destinée divine. Alléluia. Donne-leur la force de faire ta volonté. Amen. Donne-leur la force de faire ta volonté. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que cette semaine, quel que soit ce que Satan a programmé contre toi, cela sera voué à l'échec au nom de Jésus. Je prie toujours qu'on a mis sur toi tout au long de cette semaine. Ceux qui ont tombé dans ce piège vont tomber dans ce piège au nom de Jésus. Je prie que dans ta bouche, tu vas s'ouvrir pour te maudire en cette semaine, va se maudire toi-même. Au nom de Jésus, je prie que le pardon qu'on va vouloir te donner en cette semaine sera avalé par la bouche de la peste mystérieuse ce poison. Je prie que toute âme forgée contre toi en cette semaine va te retourner contre l'expéditeur. Au nom de Jésus, c'est un fait de l'éclat. Ce qui t'appartient possède en cette semaine, au nom de Jésus, les portes de soi ouvertes, la faveur de Dieu soit saturée sur ta vie. Et que toi, à ton commandement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu pour tous tes chemins. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, va dans la paix de Dieu.